Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Ceci est le dernier épisode de la série sur la sincérité et la piété en islam. Et donc nous allons aborder le sujet du vêtement de la piété. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher votre nudité ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. C'est un des signes de la puissance d'Allah afin qu'il se rappelle. Sourate Al-A'raf, verset 26. Mes chers frères et sœurs, le vêtement de la piété est le seul véritable vêtement qui a orné et qui continue d'orner l'âme des prophètes et de tous les bien-aimés d'Allah Azza wa Jal. Un jour, l'imam Ebu Hanifa radiallahu anh était occupé à nettoyer une minuscule tache de saleté sur son vêtement. Quelqu'un parmi ses compagnons, ne voyant pas la nécessité d'une telle opération, lui dire: « Ô imam, selon l'interprétation de la loi islamique, cette tache présente sur ton vêtement ne doit pas t'empêcher de prier. Alors pourquoi te donnes-tu tant de mal ?» L'imam répondit: « Ceci découle peut-être de la loi islamique, mais relève surtout de la piété. Consacrer son existence à Allah Azza wa Jal dans tous ses aspects, c'est vivre selon ce verset coranique dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi, et ne commettez pas d'excès, car vraiment, il observe ce que vous faites. » Sourate Hud, verset 112. Allah Azza wa Jal non seulement attend que nous effectuions de bonnes actions, mais il observe et prend également en considération notre niveau de piété. Par conséquent, il est concevable d'affirmer que la vie religieuse est une vie empreinte de piété et de miséricorde, et que la protection d'Allah Azza wa Jal se manifeste pour les croyants qui œuvrent pour obtenir la satisfaction divine. Toute la bonté divine de ce monde et de l'ultime demeure appartiennent aux pieux. C'est pourquoi la purification du cœur de tout péché et de tout mal par le biais de la piété représente le seul vrai bonheur et l'unique voie de salut pour l'humanité, notre seul viatique spirituel étant celui de la piété. Car plus notre amour et notre connaissance d'Allah Azza wa Jal augmenteront, plus notre piété augmentera en conséquence. Et c'est ce qui est attendu de nous, parce que c'est la piété du cœur qui, des actes justes, atteint Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui les atteint de votre part, c'est la piété. Ainsi, vous les a-t-il assujettis afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir mis sur le droit chemin et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. Sourate Al-Hajj, verset 37. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran: est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit: sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Sourate Az-Zumar, verset 9. Parallèlement à cette connaissance, nous devons nous prosterner toute la nuit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons nous protéger du châtiment de l'au-delà et implorer la miséricorde divine. Seuls les savants qui possèdent ces qualités doivent être respectés. La vertu de cette réalité est relatée dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui augmentent leur connaissance et non leur piété s'éloignent eux-mêmes d'Allah. C'est la raison pour laquelle Allah ne s'attend pas à ce que nous préparions pour l'au-delà des provisions matérielles ou des objets physiques. La seule provision ou viatique qu'il exige de nous n'est autre que la piété. Tout comme le fait d'acheter une nouvelle voiture et négliger ensuite de remplir le réservoir, seule la possession d'une vraie connaissance en la matière sera utile durant notre voyage vers l'éternité. Comme nous pouvons le constater, la piété se révèle être de première importance quant à cet éternel voyage. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: et prenez vos provisions, mais vraiment, la meilleure provision est la piété. Et redoutez-moi, ô doué d'intelligence. Sourate Al-Baqarah, verset 197. Heureux sont ceux qui entreprennent un tel voyage en usant d'un tel viatique. Nous allons terminer avec ce dua. Ô Allah, accorde-nous le viatique de la piété des prophètes, en harmonie avec chacun de nos mouvements respiratoires. Dispense-le-nous éternellement tel un vêtement pour nos âmes. Permets-nous de vivre heureux sous ta divine satisfaction et ta bonté. Accorde-nous la santé et fais de notre piété une disposition menant sur le véritable chemin de l'éternité.
Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.